Bah oui. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous être déplacés pour assister à cette très très belle soirée de la nuit de la solidarité, la 13e édition, bien entendu, pour cette association Enfance et Partage. Ce soir, de la boxe, du karaté, du judo, du kendo, du self-défense, de l'aïdo, de l'aïkido, enfin, je pense qu'on en a plein les yeux. D'applaudissements pour Fabien Lecoeur. Bonsoir, pardonnez-moi de ce retard, mais c'est un bonheur de venir. J'essaye de ne jamais manquer ce genre d'événement, ces galas de la solidarité, c'est très important. Et puis je m'émerveille comme vous tous, parents ou famille. Donc voilà, je vais passer la soirée avec vous, j'en suis ravi. Et puis, place au sport, à la démonstration, au spectacle. Vous savez, comme vous, j'aime ça. Merci en tout cas
d'être venus aussi nombreux. Thank you.
à l'époque, les personnes qui étaient accusées ne savaient pas, d'un mot, que tous les poinçons de l'époque, y compris celui-ci, qui date de 200 ans, étaient parfaitement rétractables. Ce qui facilitait grandement les choses pour éliminer les personnes qui... C'était vraiment une super soirée, c'était magnifique, super ambiance. Les gens, comme d'habitude, se sont donnés à fond. Les spectateurs étaient présents, ont répondu présent à l'appel. C'est un plaisir pour moi d'être président et fondateur et organisateur de cette soirée, parce que le spectacle est magnifique et la cause l'est plus encore. Quelle très très belle soirée ici à Mésidon. C'était un bonheur de retrouver tous ces jeunes et tous ces grands moniteurs, tous ces clubs de sport ici, dans cette belle salle à Mésidon, avec toutes ces démonstrations, ainsi que de hip-hop. Franchement, c'était vraiment bien. Très très belle soirée, et pour cette soirée de la solidarité, cette nuit de la solidarité, en tout cas, je n'aurais pas voulu manquer cet événement ici à Mésidon, et je pense que je reviendrai l'année prochaine. Alors c'était une première pour moi. Écoutez, moi je suis hyper satisfait de cette soirée qui était franchement magnifique, avec l'appui de notre ami Mario Sage. Et puis d'ores et déjà, je dois vous annoncer que je serai là également au mois d'octobre prochain à Laize-la-Ville. Voilà, donc rendez-vous octobre 2016, Laize-la-Ville.